Le jeu s'adresse à un très large public. On a plein de petits gameplays différents qui permettent de mener l'enquête. Abyss et Mordor représente à peu près 10 à 12 heures de jeu. Le travail qui a été fait du coup sur le game concept du jeu, c'est d'avoir des mécaniques de gameplay qui essayent de retranscrire un peu la personnalité d'Hercule Poirot, qui est un personnage assez quand même assez fort et qui a des traits de caractère assez marqués. Hercule Poirot est un personnage très intellectuel, donc il faut que le maximum de mécaniques du jeu soit intellectualisé. Poirot n'est pas très manuel, il est même un petit peu chichi, un petit peu voilà. Non, il ne manipule pas beaucoup d'objets, tout se passe dans sa tête. Donc on a déjà le mode de brain qui en fait demande aux joueurs de choisir les bons indices pour répondre à une question donnée. Par exemple, à quelle heure Madame Asher, la première victime, a-t-elle été tuée ? Il va devoir utiliser des indices qu'il a eus par des gens, par des témoignages ou alors par des objets qu'il a trouvés. Il doit avoir recoupé ces indices pour aboutir à une conclusion, ce qui représente un peu les fameuses petites cellules grises d'Hercule Poirot dont il aime bien se vanter dans ses bouquins. Il y a également tout l'aspect psychologique. Poirot est C'est son atout, c'est son point fort. Quand il voit une personne, il est capable d'en déduire beaucoup de choses sans même lui en avoir parlé. Donc ça, c'est retranscrit par un mode de synthé qui traduit un peu le sens fin de l'observation de Poirot, qui a toujours une analyse un peu psychologique des personnages, qui va regarder quelqu'un et pouvoir dire qu'il est triste ou qu'il est affecté par telle ou telle remarque. On a également la mécanique de l'interrogatoire, classique pour un jeu d'enquête, où on se retrouve face à face à un personnage et l'objectif, c'est de choisir la bonne réplique pour obtenir le maximum d'informations. On a également la mécanique du puzzle, où il s'agit d'objets. L'objectif est de réussir à trouver comment les ouvrir, comment les amener à terme pour obtenir l'élément dont on a besoin à la fin. Dans ABC, il y a quand même pas mal de puzzles, il y en a plus d'une quinzaine. Donc les puzzles, ça va être des moments où on va interagir de manière un peu fine avec des objets. On va avoir affaire à des objets qui regorgent de petits mécanismes et qui vont s'ouvrir pour devenir quelque chose d'assez complexe. Ou affaire à des puzzles un peu plus petits, un peu plus secret, comme une petite boîte qui semble toute petite, on ne sait pas ce qu'il y a à faire dedans, mais pourtant elle regorge de petits mécanismes également. Et puis ces puzzles, ils vont demander plusieurs types de compétences aux joueurs. Il y a des puzzles un peu plus d'observation, c'est-à-dire qu'il va falloir retourner un peu l'objet dans tous les sens pour trouver des petites choses gravées dessus, des indications. Des puzzles où il y a un peu plus de réflexion, des petites énigmes, trouver un chemin, comprendre comment le mécanisme fonctionne pour l'activer. Et puis l'ensemble de ces puzzles va se dérouler sur des décors et des objets assez variés.